Il y a très longtemps, la femme d'un éleveur de chèvres tomba gravement malade. Afin de récolter assez d'argent pour les soins de son épouse, celui-ci dut travailler nuit et jour sans répit. Alors que le pauvre homme était déjà accablé par tous ses malheurs, un jour, des adolescents décidèrent de lui faire une blague d'une cruauté sans nom. Ils empoisonnèrent toutes ses chèvres. Le couple a donc brutalement perdu sa seule source de revenus et peu après, la femme est décédée. Le fermier, complètement anéanti, sombra dans une folie extrême, n'ayant plus rien à perdre. Il fit un pacte avec le diable et se transforma en monstre. Il n'avait plus forme humaine, en tout cas en partie, car il était devenu ni homme, ni bouc. Comme une bête, il était poilu de la tête aux pieds, mais se tenait debout comme un homme. Son torse était musclé comme celui d'un homme et il était très grand. Sa tête était celle d'un bouc et il avait des pattes de bouc. Son apparence était tout simplement terrifiante et son désir de vengeance l'était tout autant. Après sa métamorphose incroyable, l'éleveur décida de se terrer au fin fond de la forêt et jura d'éliminer tous les humains qui croiseraient son chemin. Nous voilà dans les années 60, à Huntington, en Virginie occidentale. Un couple se balade dans les bois quand brusquement, ils entendent des craquements étranges. Ils se demandent ce que c'est, mais finalement décident de continuer leur promenade tranquillement. Mais soudain, alors qu'ils avancent, ils voient au loin quelque chose. Et cette vision est terrifiante. Ils aperçoivent une créature debout sur ses pattes arrière, qui semble être humain et animal. Figés par la peur, ils regardent la créature. La créature les a vus aussi, et brusquement, celle-ci s'enfuit dans la forêt. Et bien sûr, le couple a aussitôt pris ses jambes à son cou et est allé voir la police. La femme a affirmé avoir vu la créature la plus terrifiante qu'elle n'ait jamais vue de sa vie. Un être ni homme ni bouc. Nous sommes en 1961 à Bowie, dans le nord-est du Maryland. Deux étudiants, un garçon et une fille, sont retrouvés sans vie dans leur voiture. Il y a de grandes rayures sur la carrosserie et les vitres sont brisées. Apparemment, le jeune couple s'est rendu dans les bois durant la nuit afin d'être tranquille en amoureux. On les a retrouvés assis sur le siège arrière, leur visage complètement défiguré. Voilà que le mois suivant, d'autres adolescents font une rencontre terrifiante. Voulant profiter de moments intimes, ceux-ci décident de se rendre dans la forêt à Bowie en pleine nuit. Alors qu'ils sont en plein ébat, la jeune fille voit, à quelques mètres dans les bois, une créature étrange avec une tête de bouc. Celle-ci, complètement abasourdie, pousse un cri de terreur, alertant son compagnon, qui, voyant la créature, lui aussi, se met à crier à son tour. Ils sont sous le choc, tétanisés par la peur. Soudain, avant qu'il n'ait le temps de s'enfuir, la créature commence à s'approcher. Les adolescents sont terrifiés, mais réussissent tout de même à démarrer la voiture et à échapper au monstre. Après ces incidents, la légende de l'homme bouc a commencé à se répandre dans le Maryland, puis dans d'autres états. Et beaucoup de meurtres commis dans la région ont été attribués à l'homme bouc. Nous sommes en 1970.
un chien appartenant à une famille, les Edwards, a été retrouvé sans vie près de la route de Fletcherton dans le comté de Prince George, Maryland. Ils étaient à sa recherche car l'animal s'était brusquement volatilisé. Finalement, on l'a retrouvé dans un état horrible, car il n'avait plus de tête. Durant la même nuit où le pauvre chien avait disparu, l'un des membres de la famille Edwards avait entendu des bruits étranges, et même le voisinage a affirmé la même chose. Les filles Edwards étaient persuadées que le coupable était l'homme bouc, le Godman. En 1971, un fermier a vu un homme ressemblant à une chèvre dévorer un cochon. L'homme était terrifié en voyant la scène, mais a tout de même voulu se rapprocher pour se rendre compte que ce qu'il voyait était réel. Mais lorsque la créature le vit, ce dernier s'enfuit et disparut dans les bois. Nous sommes à Hutchinson, dans le nord-est du Kansas, aux États-Unis. Il paraît que cette ville est l'une des plus hantées du Kansas. Il y a très très longtemps, une jeune femme, Molly Hollow, vivait là-bas. Celle-ci était afro-américaine, et à cette époque lointaine, il n'était pas bien vu d'avoir cette couleur de peau. Néanmoins, celle-ci était heureuse, car amoureuse. En effet, elle venait de rencontrer un jeune homme, et c'est de là vivait une belle histoire. Seulement cet amour était voué à l'échec, car ce jeune homme n'était pas de la même origine que Molly. Ils essayèrent de cacher leur relation, mais malheureusement, les habitants de la région ont fini par découvrir leur secret. Beaucoup d'entre eux étaient contre cette union, et ne pouvaient supporter qu'une jeune fille noire fréquente un des leurs. À leurs yeux, c'était contre nature. Alors les choses se compliquèrent pour Molly, et des gens commencèrent à s'en prendre à elle jusqu'à ce qu'une nuit, un groupe de personnes déterminées à en finir avec la jeune femme se rendit chez elle et la traînèrent de force à l'extérieur. Malgré ses supplications, ces derniers ne voulaient rien entendre. Ils l'emmenèrent à Jackson Park. Ils lui mirent la corde au cou et sans pitié, ils la pendirent à un arbre. La légende dit que dans ce parc, son fantôme rôde encore. On raconte que parfois, tard dans la nuit, on peut entendre des pleurs et des cris étranges à Jackson Park. Certains visiteurs disent avoir vu dans les bois le fantôme d'une jeune fille pendue à un arbre. D'autres affirment avoir ressenti une présence et des mains invisibles les frôlant alors qu'ils se promenaient à l'endroit même où elle a été lynchée. Nous sommes à Bangkok, en Thaïlande. Il est 3h du matin. Après avoir fait la fête toute la soirée sur Royal City Avenue, un homme décide de rentrer chez lui à Lat Phrao. Alors qu'il est sur la route du retour, il aperçoit deux jeunes femmes habillées en noir. Celles-ci semblent lui faire signe. L'homme, intrigué, n'hésite pas à s'arrêter. Elle monte alors dans le véhicule et s'installe sur le siège arrière. Celles-ci veulent qu'il les conduise dans un temple de la capitale, le Wat Samian Nari. Les deux jeunes femmes sont jolies,
et l'homme un peu dragueur essaye d'entamer la conversation avec elle. Mais elles ont l'air étranges. Celles-ci répondent à peine, ont le regard vide. Visiblement, la tentative de séduction du jeune homme ne fonctionne pas. Peut-être qu'elles ne sont pas d'humeur. Sans doute qu'elles sont en deuil, vu leur accoutrement. Et c'est certainement pour ça qu'elles se rendent au temple, pense-t-il. Le véhicule se dirige vers le temple. Ils sont maintenant à proximité. Le jeune homme se tourne donc vers ses passagères pour leur demander où il doit se garer. Terrorisé, il se rend compte qu'elles ont disparu. Il est tout seul. Pourtant, il n'a pas rêvé, elles étaient bien là. Le jeune homme a l'impression de devenir fou. Il est sous le choc et pose son regard partout dans la voiture et à l'extérieur. Et là, à environ 10 mètres, il les aperçoit. C'est une vision terrifiante, il n'en croit pas ses yeux. Elles se trouvent sur les voies ferrées qui passent devant le temple. Elles ne sont pas debout, mais en train de ramper. Et de leur corps, il ne reste que le haut. Elles traînent leurs torses le long des rails, les entrailles à l'air. En voyant ce spectacle horrible, le jeune homme perd connaissance. Et lorsqu'il se réveille, c'est à l'hôpital. On l'avait retrouvé inconscient dans sa voiture. Il raconta son histoire, mais le médecin ne l'a pas cru. On raconte que certains chauffeurs de taxi de la ville de Bangkok ont vécu la même expérience à cet endroit-là et que depuis, beaucoup d'entre eux ne veulent plus se rendre en pleine nuit au Wat Samyanari. La légende dit que ces apparitions seraient dues à la mort horrible de deux sœurs dans les années 90. Elles auraient été percutées et coupées en deux par un train.